Journée mondiale de la vie consacrée, nous recevons à présent un religieux de la congrégation des pères piaristes. Mon père, bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je suis le père Bob Stevie Libenze. Je suis gabonais, le premier piariste gabonais, ordonné ici le 25 juin 2022 par Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. D'accord. Je suis piariste et comment j'ai connu les piaristes? Et il peut-être nous dire, on sait que piariste, c'est le nom commun que l'on donne à votre congrégation. Peut-être développer un peu plus les pères piaristes, le nom, c'est quoi concrètement? Ok, le nom officiel des pères piaristes, c'est l'Ordre des pauvres et clercs réguliers de la Mère de Dieu des écoles Pie. Ça, c'est le nom officiel que nous avons reçu de Calasanz. Mais parfois, comme il est un peu difficile pour certaines personnes de le prononcer, on a simplifié par les pères piaristes. Alors, qui sont les pères piaristes? Les pères piaristes sont une congrégation fondée par Saint Joseph Calasanz. Saint Joseph Calasanz, c'est un prêtre espagnol, alors qui va naître dans les années 1557. Dans un petit village appelé Peralta de la Salle, et de son père Gaston Calasanz et de sa mère Maria Gaston. Et en naissant, alors Calasanz va faire des choses comme tout autre enfant que nous voyons. Il va grandir et il va avoir cette vocation. Avant même de devenir, de fonder la congrégation, Calasanz sera incardiné dans son diocèse. Là, il est encore en Espagne, au sein de son diocèse. Mais Calasanz, en grandissant, il s'est rendu compte qu'il devait devenir prêtre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait déjà un souci où un jour, il s'est levé, il disait il doit aller tuer le diable. Parce que c'est celui qui empêche beaucoup de personnes à pouvoir être orientées vers le Seigneur. Alors Calasanz va mûrir cette idée. Et il va faire des études comme nous le faisons, la formation en Espagne, jusqu'à ce qu'il sera ordonné prêtre en 1583, donc, à l'âge de 26 ans. Et qu'en est-il concrètement de la présence des pères piaristes au niveau du Gabon? Vous disiez être le seul piariste gabonais? Oui, mais peut-être si vous me permettez, je vais essayer un peu de donner comment Calasanz arrive à fonder même les piaristes. D'accord. Parce que je vous dis, avant de fonder, il sera d'abord dans son diocèse. Okay. Alors Calasanz va recevoir un message, celui d'aller à Rome. Et qu'est-ce qu'il allait faire à Rome? C'était pour chercher un titre canonique ecclésiastique au sein de l'Église. Et lorsqu'il arrive là-bas, il n'arrive pas à l'obtenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va passer du temps, il va patienter. Mais un jour, nous sommes en 1597, il va rencontrer dans la rue de Rome certains enfants, il leur demande qu'est-ce qui se passe. Les enfants disent, on n'a personne pour nous aider pour aller à l'école. Voilà, Calasanz se sent touché par ce message d'enfant. Il va alors commencer un processus pour pouvoir aider ses enfants, afin que ses enfants soient aussi intégrés au sein de la société. Calasanz fera donc ce que l'on appelle une révolution au sein de l'éducation intégrale. Éducation non seulement intellectuelle, mais aussi une éducation spirituelle. Donc son but, c'était de pouvoir libérer les enfants de l'ignorance qu'ils avaient pour qu'ils soient aussi intégrés au sein de la société. Avec cela, il a avancé, il a progressé. Et nous sommes en 1617 où Calasanz va fonder l'ordre des pauvres réguliers, des écoles Pie, de la Mère de Dieu, des écoles Pie. Il va fonder et nous allons commencer à voir quels sont les objectifs que Calasanz devrait atteindre pour cet ordre. Et il a eu à subir même des oppressions au moment où, certains moments où l'ordre n'était plus considéré comme ordre, sans même vœu. C'est donc en 621 que Calasanz va écrire ce qu'on appelle le mémorandum à Cardinal Tonti, Angelo Tonti, qui sera à ce moment le cardinal. Il va lui écrire en faisant comprendre que bien que vous ne voudriez pas accepter la fondation de nouveaux ordres au sein de l'Église, mais nous voudrions une exception, au moins pour ces enfants. Pourquoi? Parce qu'en ce moment,
les congrégations n'acceptaient pas l'éducation des enfants pauvres. Alors Calasanz va beaucoup plaider pour que ces enfants puissent aussi être éduqués. Alors Cardinal Tonti, Angelo, va approuver ce mémorandum en 1721, où l'ordre sera aussi considéré comme un ordre aveu solennel. Donc il accepte et désormais c'est un ordre aveu solennel qui doit mettre en pratique, qui doit mettre en éducation l'importance de la vie des enfants et des pauvres au sein de la société. Alors, Calasanz avait un seul but, celui-là de libérer les enfants. À travers quoi? À travers l'évangélisation. Une évangélisation qui devait passer par l'éducation, les enfants. Voilà, c'est le projet de Calasanz. C'est pourquoi notre slogan, c'est « Piété et lettres ». Donc, une éducation intellectuelle et une éducation spirituelle. Ce qu'on appelle l'éducation ou encore... Oui, l'éducation intégrale des écoles PI, de l'ordre des écoles PI. Quant à moi, je pense que j'ai connu les piaristes ici au Gabon. Ils sont implantés ici au Gabon depuis 1998, ici au bas de Guégué, Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé le processus de vocation et tout ça. Mais lorsque j'arrive en 2008 et au sein de la paroisse, j'écoute le témoignage, j'écoute un peu ce qu'ils font, alors je me sens touché. Bien avant cela, je devais m'incarner dans le diocèse de Franceville parce que je suis d'origine génère du diocèse de Franceville. Mais avec les difficultés que j'avais reçues, j'avais eues au niveau de la famille, je me suis tué pendant un moment. Mais je sentais toujours que j'étais appelé par le Seigneur pour le servir. C'est alors que j'entends parler des piaristes, je viens avoir des entretiens avec les pères qui étaient là en ce moment, le père Louis, que vous connaissez bien, le père Pasquale, le père Bernardo, qui étaient là, et on a commencé à s'entretenir, et en me suivant jusqu'à ce qu'il m'ait recommandé pour commencer la formation au Cameroun, parce que c'est là-bas où se situent nos maisons de formation, au sein de l'Afrique centrale, où nous avons 4 pays, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo, qui forment la province de l'Afrique centrale des pères piaristes. Mon père, aujourd'hui, comment, selon vous, on peut expliquer que vous soyez le seul piariste gabonais? Est-ce un problème de vocation au niveau du Gabon ou c'est... Enfin, comment on peut expliquer justement ce fait-là? Bon, sachant justement que les piaristes sont au Gabon depuis 1998. Oui, c'est vrai qu'on peut peut-être regarder le problème de... On va se dire que non, il y a quelque chose comme de fermeture de la part de ceux-là, des pionniers qui sont arrivés au Gabon. Mais je pense qu'il y a un problème aussi de volonté personnelle. Parce que je ne vous mens pas, aujourd'hui, vous connaissez bien l'abbé Serge. L'abbé Serge, le canoniste, c'était lui qui devait être le premier piariste gabonais. Mais avec tout le temps, il s'est désisté. Il a dit au père Louis qu'il préfère être diocésain. C'est lui, normalement, qui devait être le premier piariste gabonais. Il y a eu d'autres personnes avant moi, mais ces personnes ne se sont pas lancées dues aux problèmes familiaux et tout ce qui en suit. Mais lorsque j'arrive, je découvre et je me dis, c'est aussi... Est-ce que ce n'est pas aussi une méconnaissance de cette congrégation? Peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas la congrégation en question? Peut-être, mais pas forcément. Peut-être pas forcément, parce que à chaque fois qu'il y a des camps de vocation, il y a des pères piaristes qui s'y rendent pour présenter l'ordre, pour présenter le charisme, pour présenter les différentes activités que l'on a avec, disons, dans le milieu dans lequel nous nous trouvons. Mais j'avais un jour discuté avec certains de nos pères qui sont ici, en paroisse, qui sont là en communauté, nous disaient que non, ce n'est pas question que nous ne déployons pas pour le faire, mais c'est question de volonté. Plusieurs personnes, vous allez entendre, lorsqu'on dit « je suis piariste », ils me demandent « tu es spiritain ?» Donc vous voyez qu'ils sont toujours dans l'idée de spiritain. À beau leur expliquer que voici comment est-ce que les piaristes se comportent, voici le charisme des piaristes, mais après ils viennent me demander « tu es spiritain ?» Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en mémoire l'idée selon laquelle la plupart des gens restent, les religieux sont spiritains. Donc ils ne se sont jamais
vu que quelqu'un peut devenir piariste, a beau leur expliquer que les piaristes sont ceux-là des amoureux de l'éducation des enfants et des jeunes, plus précisément des pauvres. C'est ça, c'était ça le projet. Et mon père, comment se passe justement une journée ordinaire au sein de la communauté, à la congrégation des piaristes? Ok. Déjà, je dirais que tout est centré sur le Christ. Donc notre ordre, il est christocentrique. Tout est centré sur le Christ. Et nous ne pouvons pas commencer une journée sans nous réunir autour de la table du Seigneur. Et lorsque nous commençons notre journée, c'est autour d'abord de la table du Seigneur parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Donc nous commençons cette journée. Après, nous pouvons chacun essayer de vaquer aux différentes occupations dans le collège, en paroisse ou en communauté. Donc c'est comme ça comment nous commençons notre journée. C'est plus d'abord autour de la table du Seigneur où nous nous partageons, nous nous soutenons, nous nous mettons à pouvoir mieux comprendre d'abord le message du Seigneur pour que nous puissions bien commencer la journée. Je pense que c'est d'abord ça, puisque c'est ça notre spiritualité. Elle est centrée sur le Christ et c'est grâce au Christ que nous sommes là. Alors nous ne pouvons pas faire autrement si ce n'est que nous réunir d'abord autour de la table du Seigneur pour écouter son message et pour être guidés par l'Esprit Saint, comme nous l'a révélé le Saint-Père dans le message de la vie consacrée de l'année 2022. Et on nous faisait comprendre ce que Siméon et Anne attendaient de l'enfant Jésus en étant poussés par l'Esprit Saint. Et ils ont vu le salut. Après avoir vu le salut, ils ont accueilli l'enfant Jésus. Ils ont serré l'enfant Jésus dans leurs mains. Et nous aussi, de la même manière, nous devons être poussés par l'Esprit Saint, poussés par le Christ, en nous réunissant, en écoutant sa parole et en mettant en pratique ce qu'il voudrait que nous puissions faire au sein de notre vie communautaire. Donc, mon père, avant-dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces différentes communautés ont en commun, justement? Parfois, on peut être spiritain, on peut être diocésain, on peut être piariste. Mmh. Qu'est-ce que ces différentes congrégations ont en commun? Qu'est-ce que vous partagez en tant que religieux? Bon, mais tu penses que c'est juste ce qui est en commun, c'est le Christ. Justement. Oui, on peut avoir des différents charismes. Mais toujours est-il que nous allons finir par nous réunir tous autour du Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes tous le peuple de Dieu. Donc, on peut avoir, comme je disais, notre charisme, c'est l'évangélisation à travers l'éducation des enfants et des jeunes, plus précisément les plus pauvres. Les autres vont peut-être parler dans le développement. Vous voyez que chaque aspect correspond à la vie même de Jésus. Jésus, disons, il a tous les charismes du monde, mais une seule congrégation ne peut pas exercer tous les charismes du monde. Vous irez chez les franciscains, vous allez voir des différentes branches. Vous allez voir, ils vont faire dans la médecine, ils vont faire ceci. Mais toujours est-il que tout cela se unit autour de la personne du Christ qui nous a légué ces différents charismes-là pour que nous puissions proclamer sa parole tout en mettant en pratique ce que nous recevons de lui. Et quel message aujourd'hui délivré à l'endroit d'un jeune qui souhaiterait intégrer la congrégation des piaristes? Oh, moi, je pense qu'il y a déjà au sein de notre congrégation, il y a ce qu'on appelle les live-in. Les live-in, ce sont des moments où nous nous entretenons avec des jeunes. Nous invitons des jeunes pendant certains week-ends. Nous nous entretenons avec eux. Nous leur enseignons le charisme. Nous leur enseignons ce que Calasanz voudrait que le jeune puisse devenir. Nous leur enseignons la vie religieuse et nous leur montrons comment est-ce qu'on vit en communauté et leur faire comprendre que la vie communautaire que nous embrassons n'est pas juste une vie que l'on voit de loin, mais c'est quelque chose qu'on doit expérimenter. On doit la vivre. On ne raconte pas, mais il faut la vivre. Parce que si on la raconte, un jour, un moment, on sera fatigué. Mais lorsque le jeune arrive, il voit comment est-ce que vous vivez. Mais peut-être qu'en voyant ce que vous faites, il peut penser que oh, la vie elle est vraiment rose. Mais il faudrait que le jeune, peut-être en s'engageant dans cette vie, comprenne que la vie n'est pas seulement rose. Il y a des moments où c'est même difficile en communauté, il y a des moments où il y a des chocs entre les confrères. Mais toujours est-il que nous corrigeons fraternellement et nous avançons. Et je pense que le message que je peux délivrer aux jeunes, c'est de pouvoir s'ouvrir et de ne pas toujours rester attaché à certains préjugés. Oh non, la vie là, c'est difficile. Non,
Cela m'a, j'ai commencé comme ça, où avec la famille, ce n'était pas facile. Mais je suis resté convaincu que je suis appelé par le Seigneur. Je dois réaliser cette œuvre. Et je pense que c'est grâce à cette ouverture que j'ai eue au sein de la congrégation de Père Pierriste qu'aujourd'hui je réalise ce pourquoi le Seigneur m'a appelé à le servir. La vocation, on ne la détient pas, mais on la découvre au fur et à mesure que nous sommes sur le chemin vers le royaume des cieux. Mon Père, merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel. Merci. Sama lei.